Bien le bonjour à vous tous et à toutes les amis, les abonnés, les personnes qui passeront par ici. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc cette vidéo consiste à un chat qui court aussi. Il y a du monde à la maison. Il y a donc cette vidéo consiste à une présentation générale selon mon focus de la pleine lune du 12 novembre. Donc nous allons y aller avec le focus astrologique, si señorita, señor, pour regarder, voilà, où est-ce que se situent les planètes de notre révolution intérieure et extérieure. La révolution intérieure, ça va être le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure et Mars. Et puis ensuite, la révolution extérieure que l'on peut associer au collectif, ça va être Jupiter, Uranus, Pluton, Saturne, Neptune. Bon, il y en a plein d'autres, je pense, que l'on ne connaît pas, qui ne sont non identifiés, mais déjà, on a de quoi faire avec ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire un focus sur l'angle de vue astrologique et l'angle de vue 360 astronomique, donc qui est plus dans le temps plus juste, on va dire. Bon, peu importe, je vais éviter de trop éparpiller, j'ai eu des retours de messages comme quoi que ça n'avait pas été suffisamment clair, donc soit je referai d'autres vidéos pour expliquer, ou alors je vais faire des efforts pour structurer un peu mieux comment moi je veux lire voilà, le focus général de l'astrologie, de l'astronomie, et de le compiler ensemble. Mais là l'idée c'est simplement le côté astrologique de la pleine lune du 12. Alors il y a plusieurs choses. Par quoi je vais commencer? Parce que des fois ça... Tu te calmes, Priscilla, tu structures, prends ton temps, tout va bien se passer. Elle est folle, elle est folle. Ah oui, à tous ceux qui me disent bonjour, qui me critiquent sur ma chaîne, sur ce que je fais, j'entends à longueur de journée les voisins, ils disent mais elle est folle, mais elle est folle. Et des gens qui te disent bonjour en plus dans la rue, quoi. J'ai juste envie de vous dire, mais merci. Oui, je crois bien que je le suis. Et je suis bien contente de l'être, en fait. Ouais. Pendant longtemps, j'étais mal avec ça. Genre, j'étais étriquée, comme quand on sait « Non, ne le sois pas, ne montre pas ça, ne fais pas ça. » Oh, ça fait du bien, mon Dieu. Et j'ai envie de dire, mais... Libéré, délivré. Bon, voilà. C'était pour... Salutation, je ne changerai pas. Je suis déterminée à suivre le chemin de la quête de soi, hein, de revenir à cet état initial de départ, en dépouillant tout ce qui n'est plus nous. Donc je vais certainement paraître, peut-être pour certaines, de plus en plus folle. Donc bon, voilà. Ceux qui m'aiment me suivent, et puis les autres, ils trouveront d'autres à aimer. C'est tout. Bon, cela dit, je sais qu'il y en a qui m'aiment, je sais qu'il y en a qui sont là, qui m'encouragent, et je vous en remercie infiniment, gratitude à vous tous, et voilà. Et je me suis pomponnée et tout aujourd'hui, enfin une jolie petite vidéo. Et voilà, je commence déjà à raconter des... Oh là là, bon allez, un peu plus de sérieux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Cette pleine lune du 12 novembre, de quoi me revenir sérieuse alors qu'à l'intérieur je suis en mode Lili, ça danse dans tous les sens. Cette pleine lune du 12 novembre. Oh putain. Je n'avais pas arrivé à être sérieuse. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Bon, je vais commencer par autre chose. Le mois de novembre, on a la fête Samhain. C'est une fête païenne. Du 5 au 10 novembre, qui consiste en quoi? C'est une fête rituelle de la fin des moissons, c'est la fin des récoltes, la fin d'un cycle aussi de l'année. On arrive bientôt à la fin d'une année. Donc voilà, qu'est-ce que l'on a récolté
Et voilà, et la fin de la récolte, à un moment, elle arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on choisit avec tout ce package-là? Alors, il y a des trucs qui sont à trier. Hein, et des trucs... Qu'est-ce que je veux pour l'année qui a à venir là? Qu'est-ce que je veux semer? Alors, ça, je le garde ou pas? Hop, ça, oui ou non? Non. Oui ou non? Voilà, c'est ces questions comme ça intéressantes à se poser. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie? Est-ce qu'on a envie d'être libre, d'être vrai, d'être heureux? Et aussi d'aimer les gens, aussi d'apprendre à aimer les autres, apprendre à s'aimer aussi, ça passe par ça. Il y a toutes ces choses, tous ces paramètres. Et à un moment donné, bah, y a des trucs qu'il faut jeter dans le panier, c'est comme ça, c'est le chemin. Il y a des trucs qu'il faut dépouiller. Et puis il y a des choses qu'on a aussi à garder ou à réintégrer dans ce panier, dans cette besace. Voilà. Donc Samhain, clôture de la fin des moissons. Honorer la joie que nos défunts nous ont apporté dans leur vie. Ça aussi, c'est un moment de rituel, d'honorer la vie de nos ancêtres, ceux qui nous ont transmis, les souvenirs, les mémoires de bonheur, d'amour, de toutes les personnes qui sont sur un autre plan de l'existence. C'est aussi un moment aussi de se connecter à eux, de les remercier, les chérir, les honorer. Et voilà, que ce soit les personnes que vous ayez connues, mais aussi ceux qu'on n'a pas connus ou qu'on ne se souvient peut-être pas dans l'instant, là, présent. Il y a aussi, voilà, les mémoires ancestrales, voilà, de toutes nos lignées, et c'est bien, je pense, à mon sens, d'honorer tout ça. Ça va même plus loin que ça, ça va jusqu'à la terre, à la Pachamama, et à la mémoire de l'humanité, de ce grand collectif, ce grand bain dans lequel nous naviguons tous, n'est-ce pas? Si, señorita. Pourquoi je dis ça, señorita, señor, señorita? Oui. Donc voilà, du 5 au 10, le moment de communion avec nos défunts, avec nos proches. Alors après, il n'y a pas de règle établie, évidemment, qu'on peut se connecter, se relier aux gens qu'on aime quand on le souhaite. Ça peut être le... Voilà, il n'y a pas de règle. C'est juste que voilà, j'ai envie de vous partager qu'il y a cette fête Samhain, un des Shabbats. Je suis pas forcément juive, mais en fait j'aime. En fait, dans toutes les religions, moi il y a quelque chose qui me parle, donc j'aime bien. Voilà, j'expérimente, je fais mes petites choses, tac tac tac. Et donc cette fête rituelle, moi me parle beaucoup parce que c'est vraiment en lien avec le cycle des saisons. Ça a du sens pour moi et voilà, j'espère que, en tout cas, peut-être que ça peut faire sens pour vous. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant mieux aussi. Hein. Chacun sa vérité, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve. Nanananananananan. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Alors, eh ben on va commencer sur ça. En maison 10, qu'avons-nous? Nous avons le Sagittaire, énergie solaire. Énergie dans la maison 10, ça reste du général, hein, je le reprécise au cas où, mais je vous invite, je vais faire une vidéo prochainement pour ceux qui souhaitent naviguer sur AstroThème et apprendre à lire leur propre thème astral de naissance. Je vais le faire, ça va venir tout prochainement, c'est prévu. Pour le Sagittaire en maison 10, la maison 10, donc là c'est un focus général, donc je vous invite par la suite, si vous le souhaitez, à voir... dans votre maison 10, quel signe est dans votre maison ou le Sagittaire, dans quelle maison est-ce qu'il va être pour chacun d'entre vous. Voilà. Pour l'ordre général, ici, qu'est-ce que nous avons? Sagittaire, maison 10. Maison 10 associée à quoi? L'évolution du mois, c'est-à-dire qu'en face de la maison 10, on a la maison 4. Les gens ils pourraient dire mais n'importe quoi, en face de la maison 10 on a la 5, la moitié de 10 c'est 5. Non, c'est parce qu'en fait il y a 12 maisons, donc voilà, ça veut dire qu'en face de la 10 en fait c'est la 4. Et tout ça pour dire quoi? Que la maison 4 elle fait référence à l'enfance du moi. Et la maison 10, à l'opposé, à la complémentarité, tout ça, elle vient nous parler de la réalisation du moi. Donc, Sagittaire à côté de... Alors... plusieurs choses. Sagittaire en maison 10, déjà une chose qui vient me parler donc de cette énergie solaire. On sent qu'il y a du... C'est marrant, hein, pourtant on arrive à la pleine lune. Ah mais je sais, il y a le pont du 11-11 bientôt qui arrive. Je crois que les énergies sont déjà là. À mon avis, il y a un truc comme ça. Bon. Donc, Vénus, Jupiter,
dans le Sagittaire, dans la maison 10. Moi, ça vient me raconter quoi? Ça vient me raconter, mais à quelle mesure je m'autorise à être véritablement ma propre essence, la lumière que j'ai envie, moi, d'honorer, de respecter et d'être. Souvent, on a tendance, je trouve, à se limiter, à pas oser, à se freiner, à se dire non, mais ça, non. Pourtant, au fond, on a l'âme qui a trop envie. Elle est en mode wouhou, allez là, il faut. Vas-y, mais sois heureux, sois heureuse, vis ta vie. Vis ce que tu as envie de faire, fais-le, accomplis-le. Et moi, le signe du Sagittaire, c'est vraiment l'énergie solaire, l'énergie. J'ai la lune en Sagittaire dans mon thème de naissance. Donc, étant une fille, une femme, mais enfin, les deux, ça doit être les deux, et ben, ça vient me raconter que, bon sang, mais oui, ça fait du bien en fait de se libérer, d'honorer aussi tout ce côté pétillant, ce côté joyeux, ce côté vivant, se faire confiance aussi, d'accomplir les choses qu'on a envie, tout ce qui va nous mettre en joie, voilà, tout ce qui va nous, notre élan du cœur aussi. Le fait qu'il y ait Vénus et Jupiter, il vient aussi nous parler d'une expansion. Quelle est l'énergie d'expansion qui vous permet de vous réaliser? Ben moi, personnellement, j'ai juste envie de vous partager que c'est là où on se sent bien. C'est quand certaines personnes aussi nous encouragent à être qui nous sommes vraiment, à nous faire confiance, à nous aimer pour qui nous sommes, même quand parfois on montre pas toujours le bon côté ou le bon rôle, entre guillemets, vous savez, avec tous les critères de jugement qu'on peut avoir en tant qu'individu humain et terrestre. Voilà. Malgré tout, oui, il y a toutes les facettes qui sont belles et à prendre, et chacun choisit en fait quelle note, quelle couleur il a envie d'agrémenter, de mettre sur sa palette et sur sa toile. Voilà, Jupiter et Vénus dans le Sagittaire. C'est ça que j'ai dit, Jupiter, Vénus dans le Sagittaire et dans la maison 10. Quelle est la réalisation de votre être? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, bon sang? Qu'est-ce qui vous anime? De quoi vous avez envie? Autorisez-vous à le faire, autorisez-vous à aimer, autorisez-vous à vous aimer, parce que c'est ça qui va vous guérir de toutes les blessures et les mémoires du passé de votre enfance. C'est... Il n'y a pas de remède miracle en fait, ça passe vraiment par la réalisation de soi, ça passe par l'accomplissement, les choses qu'on va aller affronter hein, de notre volonté, de notre force aussi. Alors je dis pas que c'est forcément facile tous les jours, hein. Pour expérimenter en ce moment, c'est un peu des pics comme ça ascensionnels. Quand on vit des moments intenses de mal-être, de dépression, mais qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a une part en nous qui veut évoluer et il y a une autre part qui est attachée à la mémoire du passé et qui est condamnée comme condamnée à se dire non, mais je suis résignée à ça, puis c'est tout, ça avancera pas. Mais putain, mais non en fait, non. Chaque jour, on a les capacités de réaliser ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et c'est vraiment ça que je vous invite à cultiver en vous, dans votre ventre, dans votre tripes, dans vos pensées. C'est-à-dire que de vous faire confiance et de construire, de bâtir en fait cette forteresse en vous. Même si parfois il y aura des petits tests comme ça que la vie vient, elle vient à l'heure, hein, tester un petit peu sur, alors et là, t'as confiance ou pas là? Et là t'as peur ou pas? Tu transgresses la peur ou tu restes là? Alors, vous voyez ce genre de truc? Bon voilà, pour la maison 10, mais en tout cas avec Jupiter, moi ça me parle vraiment qu'il y a comme une forme de facilité, l'énergie est favorable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en plus, elle est dans son domicile. Jupiter en Sagittaire, elle est chez elle, en fait. Elle est... Voilà. Donc en fait, c'est une énergie qui est favorable, en fait, à réaliser ce pourquoi nous sommes faits. Ça prend du temps, et c'est ok, et c'est magnifique. Moi, j'ai envie de dire, c'est... Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Mais oui, il y a tout ça qui est génial. Moi, j'adore. À savoir que cette pleine lune de Louvre passe d'un je fais un focus vite fait, astronomique, elle passe entre Cétus et Taurus. Donc Cétus, qui c'est celle-là? C'est la baleine, pas la balance, la baleine. Entre la baleine et le taureau.
Voilà, le 12, d'un point d'angle de vue astronomique, elle est comme ça. Et dans le Taurus, nous avons une des étoiles de cette constellation qui s'appelle Aldébaran. Arrête, Titi. Désolée, des fois, le chat, il a envie de jouer. Aldébaran, ça veut dire le suiveur. C'est une des étoiles de la constellation du Taurus qui est orange. C'est la seule qui est comme ça sur cet astre. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Déjà, pourquoi elle est orange? Je vous invite à aller voir si vous avez envie. Parce que j'avais lu un truc. Et qu'en fait, on s'est aperçu que dans l'astronomie, les étoiles pouvaient changer de couleur. Elles changent de couleur. Comment est-ce qu'elles se mettent à changer de couleur? En fait, elles se mettent à changer de couleur quand... vous voyez, il y a du mouvement hein, partout. Hein. C'est dans nos cellules, c'est dans notre corps, dans notre ventre, dans nos émotions. Mais c'est aussi partout dans toute la sphère. Et il y a aussi des mouvements, des astéroïdes, des planètes, des étoiles qui bougent. Et en fait... Quand une étoile vient approcher une autre étoile, qu'est-ce qui peut se passer? De façon chimique, elles peuvent réagir. C'est-à-dire que, comme pour, j'allais dire, se défendre ou se préparer, ou je ne sais pas en fait. Ça, je suis pas Dieu, hein, j'ai pas... Mais ce que ça m'inspire, c'est que, en fait... quand il y a la pénétration d'un... Attention les amis, je vois les petits coquins, calmez-vous. Mais quand il y a, en fait, l'association, le voyage, une rencontre comme ça d'étoiles qui dansent, qui se croisent, eh bien, il peut se passer des changements au niveau d'une étoile. Et donc, elle se met à changer de couleur. Apparemment, Aldébaran, voilà, est passée par là. Et maintenant, elle est orange. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle reste orange? Je sais pas, moi. Bon. Tout ça pour dire quoi? Ben... Les gens vont dire, bah, pas grand-chose, comme d'hab, tu pars dans ton délire. Ah, j'adore. M'en fous, moi j'aime bien. Alors, qu'avons-nous dans le taureau, d'un point de vue astrologique, mes chers amis? Parce que l'astrologie, je respecte le travail aussi de tous les astrologues qui sont passés par là. Pourquoi je roule du R comme ça? Comme si... Alors, dans l'astrologie, mes chers mesdames et messieurs, bah oui, on a la lune en taureau pour cette pleine lune. Donc là, ça vient nous parler de quoi? Alors, ah oui, je reviens sur un point un peu de sérieux. Pour moi, le focus astronomique est en lien avec le spirituel, mais aussi avec l'ego, avec notre côté yang, avec notre masculin sacré, ok? Et le féminin, la lune, ici qui passe dans le signe du taureau, est en lien avec donc le féminin et la mémoire karmique, l'inconscient, les choses que l'on est en train d'épurer, de dépouiller, vous voyez, dans la terre. Dans la terre là. Et en nous aussi, et tout ce qu'on est en train de réaliser, de comprendre, tout ça, vous m'avez compris. Donc la lune en taureau, viens me parler de quoi? Eh bien, le taureau, c'est quelqu'un qui va agir lentement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui a besoin de sécurité, quelqu'un qui aime les belles choses, c'est un esthète, il aime le beau, il aime... C'est pour ça que j'ai envie de me maquiller, de me coiffer, j'ai changé un peu la couleur. Il y a un truc un peu comme ça avec la lune en taureau, ça me fait penser à ça. Et on a Uranus en taureau aussi. Donc Uranus nous parle aussi d'une révolution. Donc il y a un changement qui s'opère dans la matière, dans la terre, le rapport à nous-mêmes. La matière, mais aussi dans le taureau, il associe à la maison 2. La maison 2, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que je gagne de mon propre... voilà, ma propre réalisation, d'accord? Les acquis, les choses que l'on a acquis, voilà. ça peut être point de vue matériel, mais ça peut être aussi les compréhensions, les choses qu'on a assimilées au niveau de nous-mêmes, dans notre connaissance de nous, nos émotions, les choses que l'on a honorées, que l'on a chéries et serrées très très fort en se disant je t'aime et merci d'être là, toi aussi tu existes et merci. Voilà, toutes ces choses en taureau avec Uranus et la lune, moi ça me parle de ça.
Ça me parle aussi du côté intuitif. Pour ceux qui sont du natif du taureau, ils sont très cartésiens. Le signe du taureau, il a besoin d'être organisé, il faut que les choses soient comme ça. Blablabla. La lune en taureau, elle vient aussi indiquer peut-être les peurs de trop contrôler. Ça peut aussi nous parler de ça avec la pleine lune qui vient mettre en lumière. Et ben, ce qui est inconscient, qu'est-ce qui va ressortir? La peur de manquer peut-être. Intéressant. Ou la peur de ne pas savoir accomplir ou réaliser ou subvenir à ses propres besoins. Ça aussi, ça peut être intéressant à aller voir. Mais toujours est-il, on a Uranus, donc planète de la révolution, planète du changement, donc de changement de croyance, d'accord ? Changement aussi de peut-être de mise en œuvre, concrètement, dans la matière. Peut-être ça va se faire dans le temps, donc soyez patient. Même si la récolte prochaine va arriver prochainement, comme son nom l'indique, et voilà, il est possible que, voilà, investissez avec, vous voyez, on parlait de sa main, la besace, les choses que l'on jette. Allez, ça c'est bon, ça sert plus, ça entrave dans mon panier, c'est trop lourd, et puis de toute façon, j'arrive plus à le porter. Voilà, et bien, on garde ce qu'on a besoin de garder. Pour ce prochain nouveau cycle qui va démarrer, on sème les graines, et puis on verra bien qu'elles sont récoltées par la suite. Hein, vous avez compris, il y a vraiment cette idée d'investir, commencer à penser, à mon sens, à fournir votre énergie dans ce que vous voulez voir, en fait, réaliser, accomplir dans votre vie. De quoi vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'investir dans une maison? Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Est-ce que vous avez envie de rencontrer une personne? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre au jour d'aujourd'hui pour vous sentir bien, pour vous sécuriser financièrement, pour faire des recherches, dans quelle région vous voulez aller, etc. etc. Vous voyez ? L'idée de se serrer peut-être un peu la ceinture à un moment pour aboutir à un projet, mettre de l'argent de côté pour un projet, ça aussi, ça fait partie. Vous voyez, il y a l'idée comme ça de structure. Alors là, on vient sur le Capricorne. On a Saturne en Capricorne, qui est donc toujours dans son domicile, donc qui invite à épurer, qui invite à faire ces changements radicaux, qui nous font passer par des crises intérieures qui ne sont pas toujours très cool à vivre. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le trop de trucs personnels, mais c'est merci Saturne. En fait, il vient vraiment nous aider à voir en fait, là où on n'accomplit rien, là où on ne se bouge pas les fesses pour voir les choses changer. C'est ça que c'est en train de me dire, clairement. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui va agir sur du long terme. Il sait que, en fait, les choses, on les récolte dans le temps et avec l'énergie qu'on y a fournie, qu'on y a investie. Ça ne tombe pas comme ça du tout cuit, du tout ciel. Hein? Bon, alors oui, évidemment, bien sûr qu'il y a des messages, il y a des choses qui arrivent aussi. C'est bien de s'ouvrir. Mais il y a quand même aussi un engagement humain, une responsabilité en tant qu'individu où c'est à nous aussi de prendre nos destins en main, c'est à nous aussi de nous positionner et de dire « Bon, là, ça, j'ai plus envie, qu'est-ce que je peux faire pour changer ?» Voilà. Là, ça, j'aime bien, ok, donc je garde. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à alimenter ou améliorer ou perfectionner ça, si ça me botte? Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces trucs-là. Et on a aussi Pluton. Hein. Les deux sont en conjonction dans le Capricorne. Donc pour moi, ça vient me dire il y a une idée de conscience, de lucidité, comme une prise de conscience en fait qui arrive dans j'allais dire la besace, la cuve là de chacun, là, le réceptacle, voilà, qui arrive et qui est à l'œuvre en fait pour chacun d'entre vous. Je pense que chacun est en train de voir, tout simplement, surtout lors des pleines lunes, et bien tous ces moments où en fait c'est un déséquilibre. Où c'est disharmonieux, où là là où on s'est laissé aller, là où on a mis de côté quelque chose, là où on a négligé une part de nous, là où on a oublié certaines choses. Et puis peut-être que toutes ces choses demandent un temps d'apprentissage aussi. Il y a des choses qui pour certains et certaines, moi je m'inclus dedans, il y a des choses qui sont nouvelles en fait aussi comme habitude, et ça prend du temps. Et le Capricorne, il est patient en fait. C'est quelqu'un qui sait que les choses se font dans le temps, avec rigueur, avec force, avec volonté et discipline. C'est quelqu'un qui va avancer. J'avais lu dans un livre de l'astrologie, ça m'avait beaucoup plu, sur le Capricorne, on disait que... Déjà, il est représenté par une espèce de petit bouc. C'est pas un bouc, c'est pas une bique. Capricorne, quoi. Mais quoi.
qu'il est... J'allais dire une connerie, j'allais confondre avec le Sagittaire. En tout cas, dans l'histoire, c'est... Vous savez, les petits boucs qui montent sur ces montagnes très escarpées, là, vous voyez? Très pentues. Et en fait, ils vont brouter des petites... là où il y a de la... Ben là, il y a de quoi se nourrir. Mais ils prennent des risques considérables, en fait. Ils vont monter. Ils vont là où c'est pas facile d'aller. Ils y vont, quoi. Ils y vont. Ils savent que le chemin est sinueux. Ils savent que le chemin est pas facile. Mais ils savent que, en fait, la récolte, même si elle sera dans longtemps, ça veut pas dire que, voilà, il faut rester dans le sacrifice et tout, c'est pas ça. Mais c'est cette force-là que j'ai envie là, de mettre en lumière sur le Capricorne qui me vient et que j'ai envie de partager. C'est en fait, il y a vraiment cette ténacité, voilà. C'est des ténaces, des courageux et des tenaces. Et ils peuvent avoir parfois aussi de la difficulté à lâcher aussi, hein, à lâcher prise, à faire de la place aussi. Donc c'est pour ça que pour certains, peut-être qui m'écoutent, qui sont du natif du Capricorne, avec Saturne dans votre signe pour cette pleine lune, peut aussi vous inviter à lever le pied. Si par exemple vous avez tendance à rien lâcher, là, comme ça, presque à vous oublier, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est à peut-être négliger votre santé, négliger votre état moral aussi, émotionnel, vous voyez tout ça. Votre foyer, ce que vous avez envie aussi de vivre aussi dans votre vie de façon équilibrée. Voilà, il y a peut-être des choses à revoir. Et donc Saturne est là pour vous aider à accueillir cette période inconfortable quelque part, hein, par lequel Saturne nous invite à passer. Qui crée comme un conflit intérieur, mais en même temps, vous savez, ça fait comme une lutte, en fait, à l'intérieur. Il y a un truc qui vous dit oui, il y a un truc qui vous dit non. Et c'est un état qui est nécessaire parce que ça va vous obliger, en fait, à écouter davantage son cœur. Alors, il y a ma voix qui est en train de rouiller. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, là, qui coince au niveau, là. Il y a un truc qui est difficile à avaler, je crois. Je vais tousser, excusez-moi. Bon, je sais pas, peut-être ça me concerne, peut-être que ça concerne aussi d'autres gens. Il y a l'idée peut-être d'exprimer quelque chose. Le Capricorne aussi, il est là pour se positionner, pour dire quand ça va pas, quand c'est pas juste pour lui. Donc vous voyez? Ah oui, puis pour finir l'histoire, alors putain, je m'éparpille, mais c'est pas grave, je vais quand même finir l'histoire parce que je me viens de m'en rappeler. Par exemple, un Capricorne, ça va être quelqu'un, on va lui dire, c'est une caricature, hein, imagée, mais je l'aime bien. Il va avoir en face de lui une boîte de bonbons. Et on va lui dire, si tu attends, tu veux un bonbon, prends-en un. Évidemment, ping, les yeux. Si tu veux un bonbon, prends-en un. Si tu en veux deux, eh bien... Eh bien, tu vas attendre ce soir si tu en veux deux. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, le Capricorne, il va préférer attendre pour en avoir deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de sacrifice, quoi, comme ça, parce qu'il sait que la récolte, elle va être... voilà. Et des fois, ça vaut le coup, en fait, de fournir des efforts jusqu'au bout, de savoir aussi patienter pour pas... Comment je peux dire? On peut aussi, ça va être propre à chacun, il y en a qui vont vouloir, voilà, cueillir le gâteau ou le bonbon à ce moment précis parce que ça apporte du réconfort et c'est une satisfaction du moment. Le Capricorne, il aura tendance à vouloir attendre pour être sûr de récolter et d'encore mieux apprécier, vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, c'était pour le petit clin d'œil du Capricorne. Donc... On a un nœud nord toujours en cancer, donc moi ça me parle aussi, donc à l'opposé du Capricorne, l'invitation à... Le nœud nord, ça nous parle de quoi? C'est en fait le dharma, c'est-à-dire qu'à l'opposé du nœud nord, on a toujours en face, donc là qui se situe dans le Capricorne, le nœud sud. Le nœud sud, c'est le karma, c'est les choses aussi qu'on a acquéries, les choses qu'on a compris, les choses avec lesquelles on est... On a des facultés, on va avoir de l'aisance. Mais ça peut être aussi quelque chose qui peut aussi
enfermé et complaire, vous voyez, dans les habitudes. Donc, il peut y avoir ce truc-là à soulever. Et dans l'opposé, donc du nœud nord, on va avoir l'invitation à aller nous initier à ce que l'on ne connaît pas. Donc en fait, sortir d'une habitude, l'habitude par exemple là du Capricorne, peut-être de rester rigide sur des modes de fonctionnement, peut-être des limites, des croyances, des façons d'aboutir. Ça peut être aussi pour ceux qui ont de la difficulté à avancer, à investir de l'énergie. Et bien allez, on va aller s'encourager, on va aller voir du côté du Cancer sur quoi on peut aller mettre de la douceur et de la bienveillance aussi sur tout ça. Vous voyez ? Pour ceux qui sont dans la configuration, qui sont toujours dans l'entrain, toujours dans l'action, toujours machin, on a l'invitation avec le nœud nord de sortir de ces habitudes-là, peut-être, pour amener plus de douceur, se recentrer peut-être sur le foyer. On a l'invitation dans le signe du Cancer, c'est très maternant, c'est les énergies enveloppantes, c'est la douceur, c'est l'enfant aussi, c'est l'intuition, la rêverie. C'est la créativité aussi, vous voyez. Donc c'est peut-être sortir d'une forme de rigidité ou de structure, de travail, de dur labeur, pour s'autoriser à honorer aussi notre enfant intérieur et à se faire plaisir. Donc ça peut être par plein d'autres moyens d'explorer vos potentiels, la musique, la peinture, le chant, la danse, vous avez compris, même juste de méditer ou même d'aller marcher dans la nature, ou juste de jouer ou de partager avec les gens que vous aimez. Enfin voilà, il y a toute une infinité de choses. Vous voyez ce qui pour vous vous parle, mais on a l'invitation à sortir d'une habitude pour honorer autre chose. Donc voilà, cette pleine lune, je pense qu'elle va nous montrer certaines choses. On a Chiron qui est une astéroïde qui est toujours dans le signe du Bélier, qui me parle aussi de l'élan créateur de l'individu. Les choses avec lesquelles on est peut-être un peu en conflit, où on se dit mais non, je vais pas y arriver tout seul, ou machin, machin. Vous voyez ce genre de truc. Chiron, c'est le guérisseur, c'est la fracture du guerrier blessé. Mais en fait, à travers cet élan, parce qu'en fait, le signe du Bélier, c'est le commencement, c'est son énergie sexuelle qui est mise au service en fait de ses actions, de son élan créatif, de tout ce qu'il a envie d'accomplir. Donc en fait, on a une belle énergie comme ça de guérison, de volonté, voilà, c'est ça le mot. Il y a de la volonté d'aller de l'avant et de guérir en fait les mémoires comme ça de toutes ces choses qui sont... Vous voyez, on a cette énergie de colère, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour justement impulser, en fait, à changer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc voilà, ça fait déjà une demi-heure. Je vais clôturer juste le focus que j'avais envie de vous partager selon moi de cette pleine lune. Et puis j'ai envie de faire un petit tirage. Un petit tirage spontané, on va aller voir avec le tarot de Marseille qu'est-ce que ça nous dit. A savoir que le 12, ça nous parle du pendu. El pendu, le pendu nous parle de quoi? Il nous parle de s'abandonner. D'abandonner des habitudes à quoi nous sommes attachés. Et Dieu sait que c'est difficile. Mais la volonté est là. Je cherche le pendu. Tout ce grand paquet. En plus, j'ai pris le paquet. Elle est là. J'ai pris le paquet à l'envers et le pendu, c'est le seul qui est en train de danser. Ah bah tiens, c'est le seul qui est sorti comme ça. Il danse, le pendu. Ben oui, qu'est-ce qui se passe, le pendu? Quand il a lâché prise, qu'il a rompu les liens d'attachement, qu'il a pris un angle de vue différent sur sa vie, sur la vie en général, sur l'amour, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il a envie d'accomplir, sur l'angle de vue qu'il a besoin de changer. On a besoin hein, parfois de changer d'angle de vue pour voir les choses différemment, sous un autre angle, et puis de danser en fait, d'honorer en fait tout ça. Et on a l'accomplissement, ça nous parle d'une réalisation en fait, avec le pendu aussi. Hein. On a l'invitation à trancher, à s'abandonner en fait. Il y a comme l'idée d'un sas, d'une naissance où vous passez vers un autre état d'évolution. Et après le 12, on a la 13, donc l'arcane sans nom, qui nous invite au dépouillement, qui nous invite à rompre, à trancher, à épurer, à recycler aussi, toutes ces choses. Elle pendu, énergie qui nous accompagne. On a donc énergie du 12, le mois de novembre c'est le 11, donc la force du 11 aussi.
Là, je reste juste sur les dates, hein. J'ai pas encore tiré les cartes, mais c'est juste pour l'énergie de la force, c'est une énergie de puissance. C'est aussi une énergie sexuelle aussi. Hein. Alors, bien, mais qu'est-ce qu'elle a à parler de sexuelle? Mais oui, mais l'énergie sexuelle, quand elle est mise au service du cœur et de l'élan créatif, eh bien, je peux vous assurer qu'il se passe des belles choses et des beaux accomplissements dans nos vies. En revanche, quand l'énergie sexuelle est orientée par les tentations en tout genre qui gravitent un peu de partout, hein, que ce soit envie d'acheter ça, envie de... les pulsions, hein, les pulsions sexuelles, hein, tout ce qui est alimenté hein, à travers voilà, hein, les femmes, les publicités, voilà, tout ce qui est les femmes dénudées, pas que les femmes, les hommes aussi, évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Toute la faculté, les facilités qu'on peut avoir accès à tout ce qui va être pornographique, etc. Vous m'avez compris ? Et bien quand on laisse nourrir cette énergie finalement dans la distraction et que cette énergie est comme gaspillée, c'est dommage. C'est dommage parce que on laisse... Il y a comme une fuite énergétique à ce moment-là. Et là, la force, elle nous dit mais... mais canalise-la cette force, canalise-la cette force, cette puissance. Ça nous parle du canal avec le 11. Le canal, c'est quoi? C'est son axe, sa verticalité. Et c'est tout un entraînement, hein. C'est quelque chose, c'est un apprentissage. Et de toute façon, l'invitation, c'est pas de se condamner pour parfois passer d'un excès à un autre. C'est parfois même, je dirais, nécessaire pour pouvoir reconnaître et connaître bah, les choses, tout simplement. Donc voilà, l'énergie de la force. On navigue d'un côté puis de l'autre pour trouver son axe. La force est avec vous, les amis. Et 2019, ah oh, bah énergie du 12 encore. Hey, on a deux fois le pendu. Hey, c'est ouf. Ça veut dire que genre, ça fait le pendu, la force, le pendu. Vous vous rendez compte, on a deux fois le pendu et le 1 et 1. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme un... Eh, c'est ouf. Et comme un effet miroir dans l'idée de lâcher prise, d'abandonner quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Je dis aïe, aïe, je pense que ça va être positif. Ça peut être en lien aussi avec, avec les rencontres, avec... Quelqu'un m'a écrit ça récemment, j'ai envie de le partager, que l'énergie du 11, c'était l'énergie des réunifications, des flammes jumelles par exemple, l'énergie comme ça du 11. Et avant de partir dans tout ce que je prends souvent avec précaution, et c'est pour ça que je ne fais pas de tirage en lien avec les flammes jumelles pour l'instant, parce que je voudrais pas que ça... Comment je peux dire ? Bon, pour l'instant, j'ai pas envie de le faire. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais là, j'ai quand même envie de vous partager qu'il y a l'idée, en fait, de retrouver comme sa verticalité, et en même temps, c'est grâce aussi à des phénomènes de rencontres sacrées qui vous permettent aussi, vous, de grandir et d'épurer des choses, de réaliser certaines choses très importantes, mais qui passent au-delà, en fait, de... Comment je peux le dire, mon sang ? Qui passe au-delà du petit caprice de l'ego. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors l'ego, évidemment, c'est aussi notre personnalité. Comment est-ce qu'on se comporte ? Comment est-ce qu'on se montre au monde ? Donc voilà, il est là aussi. On ne va pas le renier. Il fait partie aussi de notre vie. Voilà. Simplement, juste d'apprendre à discerner avec cette capacité, cette énergie de force, en fait, de... comme de maîtriser de façon tranquille et puissante nos élans et nos instincts. Voilà. Il y a un truc un peu comme ça. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille. S'il vous plaît, pour cette pleine lune. Le plus grand bien du plus grand bien, pour favor. Quels sont les messages? À la coupe, on a un 3 de bâton.
Ok, énergie de feu. Ah bah, qui voilà, on a encore le pendu. Bon, ben là, au moins c'est clair. Ça nous parle en fait avec le 3 de bâton. Pour moi, il y a comme l'intégration d'une limite qui a été posée. De quelque chose que vous avez réalisé, que vous avez su comprendre pour votre plus grand bien. Et en fait, avec le 3, c'est comme si il y avait une stabilité en vous qui était présente pour vous. Et en fait, avec le 3, c'est comme le troisième bâton, j'ai l'impression que vous l'avez dans la main. Je vous vois comme des... Mais il y a cette force, cette volonté, c'est l'énergie du feu, c'est aussi l'énergie de la capacité d'action, l'élan créatif, ça me parle aussi de la communication dans la numérologie avec le numéro 3 qui vient me faire référence à l'impératrice, à faire don de vous-même à travers vos actions et à travers ce que vous, vous ressentez dans votre ventre, dans vos tripes, dans votre... avec aussi la conscience, le discernement juste en fait, qui est selon vous votre propre cœur et votre élan vital. Il y a quelque chose de comme ça où vous avez su faire le point. Et en fait, il y a comme une énergie de volonté d'action. Et pour ça, on a le pendu qui est là, qui vient aussi nous dire qu'il y a comme une volonté. Peut-être que pour certains, on est invité à être patient. C'est ça que c'est en train de dire aussi. L'invitation à être patient, parce que vous voyez, le pendu, il a besoin de voir les choses, de patienter pour voir peut-être tout simplement dans quelle configuration il est en ce moment, avant de lâcher prise et de s'abandonner à autre chose. Donc peut-être que pour certains, il y a ça, mais il y a cette volonté. Donc ce que je ressens, c'est que vous allez savoir, pour cette pleine lune, voir les choses différemment et en faire quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà ce que c'est en train de me dire. Donc, no panique. Si au moment de la pleine lune, vous sentez que c'est un peu agité là-bas dedans, que voilà, vous allez voir hein, les effets miroirs, toutes ces choses, hein, vous allez voir hein, ce grand livre ouvert qui vous enseigne où est-ce que vous en êtes et à quoi vous faites face et à quoi vous ne faites pas face. Et aussi tout ça. Voilà, la pleine lune sera là aussi pour vous indiquer tout ça et vous allez savoir vous abandonner à quelque chose de très important. Voilà ce que c'est en train de me dire avec l'énergie du 3. Mais je pense qu'ici, c'est de lâcher prise sur certaines choses et de communiquer avec cette volonté du cœur. Et aussi pour ceux qui sont peut-être très patients, très empathiques, qui prennent beaucoup sur eux. Peut-être que l'invitation à lâcher prise, c'est aussi de s'abandonner et de savoir exprimer son réel besoin aussi. C'est là que l'ego aussi est sain. C'est-à-dire quand on a besoin de dire non et d'exprimer, c'est le moment aussi. Bon, peut-être pas le jour de la pleine lune, hein, je ne sais pas, vous verrez comment ça va vous parler. Parce que c'est vrai que si ça soulève une émotion très forte à ce moment-là, c'est peut-être judicieux de regarder comment ça se passe en vous, de prendre le temps... Et avec du recul, de revenir dessus. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr, il y en a pour qui ça va être spontané et qui vont tout de suite communiquer. D'autres qui vont prendre du recul, analyser la situation, dire la gravité. Est-ce que là, je fais bien plutôt d'écouter, de changer d'angle de vue, de voir comment est-ce que je peux améliorer ma situation ou la communication. Vous voyez ? Quelque chose de comme ça. Alors, on a le soleil. Le soleil donne l'homme intelligent. Soleil donne, j'adore. On a le soleil. Mais alors on a la reine de bâton qui est renversée et on a aussi la reine d'épée qui est renversée. Alors qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression qu'on a une énergie solaire de fraternité, de partager. Je vais vous montrer ça. Oh, rien que la lumière, j'adore. On a envie ici de partager, on a envie de communiquer, on a envie d'être là. D'être présent, on a envie de briller, on a envie de rayonner. On a envie de donner. L'énergie du soleil, il est là, il est ce qu'il est. Il ne cherche pas à briller ou pas briller, il est là, c'est le soleil, il est là et puis c'est tout. On a cette énergie, on a l'idée de soutien, de fraternité, d'union. L'énergie du 19, moi ça me parle d'une union. De s'unir et d'accompagner les autres. Peut-être que pour certains d'entre vous qui sont dans l'accompagnement, on est là-dedans.
dans l'énergie d'aimer, de faire don de vous-même, d'être lumineux, d'apporter de la joie, d'apporter voilà, cette générosité, de pouvoir révéler en fait à l'autre tous ses potentiels aussi. Vous voyez ce genre de choses. Et ça, c'est aussi ce que j'ai envie de partager grâce à des personnes, pour ma part, qui m'ont transmis ou communiqué beaucoup d'amour et qui m'ont invité tout simplement à travers leur cœur, leur bonté de cœur, de révéler des choses que je voulais pas voir ou reconnaître en moi. Et ici, c'est comme si, eh bien, dans l'énergie de la fraternité, eh bien, parfois on est en mesure d'être dans l'accompagnement d'une personne, de le révéler à lui-même, de lui montrer sa lumière de cœur, toutes ses capacités de lumière qu'il porte en lui. Et parfois, c'est à nous de nous laisser guider aussi par quelqu'un qui nous enseigne à avancer. Donc on a cette énergie-là qui est présente. Et le fait qu'on ait la reine de bâton qui est renversée et la reine d'épée. La reine de bâton, c'est marrant parce que, vous voyez, c'est vraiment l'énergie de... Elle nous parle de la sexualité ici, encore une fois, elle nous parle de l'énergie qui est très reliée à son ventre, à la fécondité, au projet de vie, aux choses que l'on accomplit. Le fait qu'elle soit renversée, c'est peut-être... peut-être que pour certains, justement, il y en a qui ont intégré certaines choses et qui ont intégré... avec confiance que, en fait, se faire plaisir, ça fait juste partie, en fait, de l'incarnation humaine, d'honorer, en fait, aussi tout ça. Peut-être qu'il y en a, dans une autre configuration, qui ne s'autorise pas, en fait, à se faire plaisir. Ça peut être aussi ça, hein, la reine de bâton renversée. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'osent pas, en fait, qui culpabilisent. Donc, il y a peut-être ça qui est mis en lumière, qui culpabilise à accepter... ce qui vous ferait pourtant grandement du bien et qui nourrirait en fait votre confiance en vous, qui nourrirait votre cœur, qui nourrirait votre élan de générosité aussi. Vous voyez, mais si vous fermez, c'est comme s'il y avait ça en fait, si vous fermez une barricade pour pas laisser rentrer ce qu'on vous offre, vous n'allez pas pouvoir savoir comment vous allez pouvoir l'offrir. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, l'invitation, je crois que c'est vraiment aussi à accueillir. Accueillir, en fait, les bienfaits. Accueillir l'amour que vous pouvez recevoir. Les gens aimants qui vous apportent aussi, voilà, du réconfort, de la bienveillance. Mais parfois, ça vient de vous aussi. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à vous faire plaisir. On a ici la reine d'épée aussi qui est renversée. Donc, ici, j'ai l'impression, pour certains, il y en a qui ont comme compris certaines choses, qui ont mis du discernement sur la protection, comme la bulle dans laquelle on a pu s'enfermer parfois pendant un certain temps, vous voyez, pour rester dans sa bulle, dans sa sphère, pour surtout pas se réexposer à toute tentation, pas tentation, à toute, comment je peux dire, toute confrontation, ou tout type de conflit, ou tout type de... d'échange ou d'interaction, voilà, tout simplement, avec d'autres individus que nous. Ici, c'est comme si la reine d'épée, en fait, elle protège, mais le fait qu'elle soit renversée, j'ai l'impression que certains d'entre vous, d'entre nous, peut-être qu'il y a comme une forme de surprotection, ou au contraire, la difficulté à voir juste sur ce qui est sain à protéger en son sein, en son ventre, en son espace vital. Il y a aussi ça. Il y a comme un... La reine d'épée, elle me fait penser à la justice, en fait. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un déséquilibre au niveau... Ça me parle de ça. Je vais voir avec le bélier ce que ça nous dit en complément, parce que là... on va voir. Que nous dit le bélier? Mais faites-vous, autorisez-vous en fait à vous faire plaisir à travers les actions de générosité, vos élans spontanés, les envies de jouer, les envies de partager, de vous faire plaisir. Bon sang, mais on est là pour vivre en fait notre expérience. On n'est pas là pour se cloîtrer dans des murs et s'empêcher d'être heureux. Au contraire, plus vous êtes heureux et dans l'action
juste et plus vous allez vous sentir à votre place. Je crois que c'est ça en fait. Avec la reine d'épée qui est renversée, j'ai l'impression pour certains, il y en a qui ne savent pas trop, qui sentent peut-être un peu illégitimes de faire ou de donner quelque chose. Alors que pourtant, vous avez cette énergie qui est là. Faites-vous plaisir, honorez vraiment ce que vous ressentez dans vous, dans votre élan spontané en fait. Parfois c'est pas un truc qu'il faut chercher à ruminer pendant 100 ans, il faut juste passer à l'action. Là vous êtes invité à passer à l'action, hein, j'ai l'impression. Allez, on va voir avec le bélin ce que nous dit pour les messages complémentaires. Alors on a l'héritage, vous voyez, ça nous parle. Quand je parlais de la culpabilité avec la reine de bâton qui est renversée, c'est vraiment de quoi nous avons hérité. L'héritage, ça me parle vraiment, et en plus on a Jupiter. Vous voyez, on parlait du soleil. Est-ce que dans vos foyers, on vous a souvent comme restreint, comme... Mais c'est inconscient, hein, souvent dans l'éducation. C'est pas... Je dis pas ça pour faire culpabiliser les parents, c'est simplement pour vous resituer en tant qu'individu et réalisation de vous-même. Qu'est-ce que, bah voilà, vous avez enfermé, comme mis dans une boîte et occulté, comme vous empêchant de laisser émerger votre lumière, en fait, votre volonté d'être. Ici, l'héritage, ça peut nous parler de ça. Peut-être qu'il y a le poids de familial qui limite à vous expanser. Peut-être que, voilà, au contraire, vous allez réussir à comme transformer cette énergie de peur en énergie d'action avec le soleil et en fait, comme d'honorer ce que vous avez su reconnaître et voir dans les peurs conscientes ou non de ce qui a été transmis dans la famille, dans le foyer, etc. Et d'en faire quelque chose d'autre, d'en faire quelque chose de mieux, d'en faire quelque chose de lumineux. Vous y mettez du soleil, vous passez à l'action. Il y a un changement important pour moi là avec l'héritage et ça nous parle du 4, donc d'une stabilité, d'une fondation et du 1. Donc on revient à l'individualité, on revient à la base solide de tout ce que l'on accomplit. Les choses des fois, avant de resolidifier en fait les fondations saines de votre propre foyer, vous voyez, on parlait de la force tout à l'heure, des choses que l'on laisse empiéter dans notre espace vital. Des fois, il y a des choses qu'il faut complètement raser, repartir sur des bonnes bases. Il faut déconstruire certaines choses, certaines habitudes pour voilà, remettre en place de l'ordre, remettre de la structure et une fondation beaucoup plus solide et pérenne, vous, dans votre fort émotionnel, dans vos projets, dans vos relations, dans votre rapport à vous-même. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. J'ai l'impression que voilà, il y a un gros changement qui se fait, mais ça passe par la construction stable et l'individu, la verticalité. Vous allez, comme grâce à cette énergie solaire, aussi avec des rencontres, hein, des personnes qui sont très solaires autour de vous, qui vont aussi vous initier, vous accompagner, être bienveillante, voyez, à vous aider à accomplir tout ça et à vous faire confiance, à accepter en fait, non plus de culpabiliser, mais d'honorer en fait votre vie. Waouh, on a le bonheur aussi, vous voyez. Donc c'est vraiment tout à votre honneur ici d'accepter, de vous faire plaisir, d'accueillir en fait, comme, vous voyez, on a l'étoile dans la couronne, moi ça me parle, avec la main. La main sur l'étoile, elle vient me parler. Ça me parle, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler des constellations familiales, du coup ça me fait rebondir sur ça. Parfois pour aller... se découvrir en nous, on passe par des rites initiatiques à travers l'humanité. C'est quelque chose, pour moi, c'est constant, hein. C'est tous les jours, c'est quelle que soit la discussion qu'on va avoir en famille, avec quelqu'un dans la rue. Voilà, il y a des personnes pour qui c'est peut-être un peu plus difficile, je ne sais pas, voyez comment ça peut vous parler. Je reviens sur les constellations familiales, les constellations de l'être. C'est une invitation à participer à la configuration d'un noyau énergétique d'une personne, donc ça me parle d'une étoile, ça me parle de l'individu, ça me parle de l'âme en fait d'une personne. Et en fait, chaque individu qui va venir participer à cette constellation va œuvrer dans un but commun et autant individuel. Donc là, ça me revient, ça me fait encore penser à la force avec le 1 et le 1, vous qui vous êtes et l'autre. Et c'est aussi grâce à cette verticalité que vous allez pouvoir être canal et transmettre aussi ce qui pour vous est juste, est-ce que vous, selon où est-ce que vous en êtes
à travers l'autre, etc. Et en fait, cette initiation des constellations familiales, je vous invite à le faire si vous ne l'avez jamais expérimenté, parce que ça permet vraiment de changer de regard. De regard peut-être parfois limitant, concernant des jugements, même des peurs aussi de s'exprimer, de ressentir aussi. C'est vraiment, c'est énergétique, c'est psychologique, c'est philosophique, c'est humain. C'est riche, ça vient bousculer des choses, ça vient dépouiller certaines choses et ça vient libérer en fait, ça vient comme transformer des énergies qui sont cristallisées à un endroit. Donc la personne qui vient pour sa propre constellation, bah, elle est dans son... Voilà, hein, elle va voir tout le panel des participants et comment ça se joue pour elle dans sa vie, hein, donc selon les emplacements. Et puis les participants, eux aussi, vont avoir leur rôle à jouer et en même temps, eux aussi vont vivre leur propre expérience. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, la main sur l'étoile, ça vient me parler de la connaissance de vous-même, en fait. Et la connaissance de soi-même, elle passe aussi par la découverte de l'autre. Et prendre son destin en main, ça passe aussi par, bon sang, ouais, ce moment où on ouvre la porte et on va aller voir aussi ce qui se passe ailleurs et on va aller gratter ce qui se passe derrière aussi, ce qu'on a pu voir. Et ça passe par toutes ces choses. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un accueil, quelque chose que vous allez pouvoir recueillir. Alors le fait qu'elle soit sortie à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a comme une difficulté à aller, ou une peur peut-être, de se découvrir, d'apprendre à se voir tel que nous sommes. Et c'est vrai que oui, c'est des initiations qui font... ouais, on n'est pas juste lumière, on est ombre et lumière, donc... Voilà, ça vient nous montrer beaucoup de choses et voilà, j'avais envie juste de vous le partager aujourd'hui. Je pense que ça fait sens pour beaucoup, en tout cas ça le fait pour moi et voilà. On va voir, c'est un message complémentaire. L'idée de l'héritage, hein, c'est ça, et de transformer en fait, transformer les choses, et ça vous permet de réaliser certaines choses. Ah ben, vous voyez, on a le trafic, on a un changement important en lien avec le masculin et le féminin. Voilà. On a le caducé, on a Hermès. Ça vient vraiment nous parler d'une guérison. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre en fait en ce moment dans l'action. Bah oui, sûrement dans l'action, certains. Et pour certains, dans le féminin, donc peut-être la non-action, mais plutôt la réceptivité. On a l'invitation à honorer en fait nos polarités. Voilà. Ça passe aussi par notre humanité, mais aussi notre divinité. Ça va loin, ça va pas que genre le masculin, le féminin, ça passe par tout ce que l'on expérimente, ce que l'on perçoit comme quelque chose de sombre, d'y mettre de la lumière dessus, et ce que l'on voit comme quelque chose de lumineux, peut-être y mettre un peu plus d'ombre dessus. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a l'idée d'une harmonisation, voilà. Il y a l'idée d'une harmonisation au niveau des énergies. Voilà. Un rééquilibrage, une guérison, un changement. Il y a un changement important hein, pour cette pleine. Donc en fait, voilà, il y a une guérison en lien avec les mémoires familiales, avec l'éducation, avec les blessures de l'enfance du moi, avec la réalisation et l'accomplissement que vous souhaitez, et la force et la volonté de capacité à passer à l'action. Même si vous sentez que vous culpabilisez ou vous freinez, c'est peut-être pas le moment en fait. Il y a peut-être l'idée d'intégrer quelque chose avec le pendu. Hein. Le pendu, il n'est pas dans l'action tout de suite. Il est dans le changement de position et d'angle de vue. Il est dans l'attente, dans la patience. Donc peut-être qu'il y a ça. D'accord ? Et puis à un moment donné, quand il y a un déclic, quand c'est le moment, il y a un abandon qui se fait, il y a comme un pouf. Voilà, il y a une naissance et ça avance. Ok ? Allez, alors bientôt une heure. Une heure, bravo ! Eh ben, on a l'équilibre qui est sorti, on a l'arc-en-ciel et on a la compassion. On a trois qui sont sortis. Équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de... Hop, on continue. Je viens de m'apercevoir que je n'avais plus de batterie, donc je vais vite clôturer, cette vidéo parce que j'ai un rendez-vous, une visite à 18h et je vais essayer de vite terminer ces trois lectures. Et voilà. Alors, équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire. Afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière.
La lumière et l'ombre sont nécessaires. Vous voyez, je venais tout à l'heure faire le clin d'œil avec l'idée de la complémentarité. Arc-en-ciel, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Oh yes! Ça vient me parler vraiment à votre âme. C'est l'âme, elle est pure, elle est belle, elle est lumineuse. C'est l'ego qui souvent freine à laisser exprimer celle-ci. Donc là, vraiment, l'arc-en-ciel, c'est une perle. Il faut le laisser infuser, ça aussi. Compassion, très chère, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Vous voyez, quand je parlais de la capacité aussi à exprimer les choses, même quand on a un espèce de frein ou un jugement à se dire, mon Dieu, si je dis ça, ça va être trop méchant, blablabla. Non, parfois, c'est à vous aussi d'être dans cette énergie, je dirais, de pas d'ombre, mais ça va permettre à l'autre de voir de la lumière aussi dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà les pépites, les perles. Les deux, elles sont sorties avec la perle. Vous voyez, c'est marrant. Voilà les très chers amis. Allez, ben, je crois que ça va aller. Allez. Une dernière de l'épaule de l'intuition, puis je clôture. Oh là là, on va plus s'arrêter. Allez, un dernier message complémentaire, s'il vous plaît, pour cette pleine lune de 12. Por favor. Et on a l'attente et l'horloge. Vous voyez, ça vient vraiment faire le lien avec le pendu. Hein. Voir les choses intensément. Non, voir. J'ai dit voir ou vouloir. Je me suis entendue dire voir. Voir les choses intensément. Hey. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, ben voilà, hein, je crois que ça vient faire un lien avec beaucoup de choses que j'ai énumérées en lien avec la patience. L'horloge. J'adore le rouage d'une horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Yes! Donc vous voyez, on est invité à être patient. Les choses sont à l'œuvre en nous, même si on ne les voit pas tout de suite. Regardez un arbre quand il grandit, avant de donner des fruits. Tout ce qui se passe, c'est souterrain, c'est dans ses racines, c'est dans la profondeur. Voilà, on ne voit pas tout de suite ce qui va émerger après. Et ben voilà, peut-être que là, c'est ce qui se passe en ce moment pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Et soyez patients et voyez les choses. Ayez confiance, voilà. Vibrez la confiance. Continuez-vous de faire ce que vous pouvez dans vos capacités du moment et vous verrez que les choses vont être juste tain, magie. Le temps et la patience va vous accompagner. Voilà, bon allez. merci infiniment de m'avoir écouté, d'être présent, d'être vous, de vivre votre vie. Et voilà, et merci pour tout, hein, vos dons, vos likes, vos commentaires, vos mails, tous vos messages d'amour. Je vous remercie infiniment, gratitude à tous, ça me fait chaud au cœur. J'adore ce que je fais, ça me motive encore plus à continuer moi aussi, avec cette capacité de rigueur et de garder un rythme voilà, dans ce que j'aime bien. Et voilà, je vous en remercie infiniment. Pour ceux et celles qui souhaitent bénéficier d'un soin Laochi que je propose à prix libre, à distance, lors des pleines lunes et des nouvelles lunes, vous avez dans le descriptif de cette vidéo les inscriptions qui sont ouvertes jusqu'au 12 midi. Merci de votre compréhension. Et puis, c'est à peu près tout, je crois, ce que je voulais dire. Voilà, je vous embrasse, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.